Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle prof Léo et je suis votre prof de français ce matin. Bonjour, bienvenue. And welcome to the Monday. Today is Monday. Aujourd'hui c'est lundi et nous ferons des exercices à propos de ça. Bon. Ok, so, j'espère que vous avez passé des bons week-ends aussi et le temps était incroyable pendant samedi, je pense, oui, samedi. C'était 70 degrés, je pense, c'était incroyable. C'était incroyable, so, it was amazing. It was incredible. Nice warm weather. And then Sunday, it was kind of meh. But ici à Boston, le dimanche, c'était comme ci, comme ça. Parce qu'il pleuvait, il était un peu froid. Oui, bon. Mais en tout cas, on commencera le semaine un bon marché. So we're going to start the week off with a good start, a good work. Bon. Très bien. Donc. Bienvenue au cours de français encore, et je suis prof Léo et je suis content de vous voir ici. Bon, ok, j'ai deux questions pour vous pour commencer cette leçon. Ils sont, quelle est la date aujourd'hui, tout le monde? Répondez à moi dans les commentaires, si ça te plaît. Quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi. Oui, parce que c'est lundi, c'est la première journée, c'est le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. Très bien. Quelle est la date? Exactement. Le 26. Le 26, 26. Le 26 avril 2021. Répétez. Répétez après moi. Aujourd'hui, today, aujourd'hui, c'est lundi, le 26 avril 2021. Très bien, tout le monde, très bien. Bon. Aussi, quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Aujourd'hui, il fait quoi? Dehors, votre fenêtre. Vos fenêtres. Quel temps fait-il? Il fait chaud aujourd'hui, oui, parce que c'est le printemps. Il fait chaud un peu. Il fait soleil, il y a du soleil. Il fait confortable aussi. Très bien. Ok. On commencera la leçon maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les y mettre dans les commentaires, la boîte de commentaires. Et oui, bon. So, if you can see from the title, si vous pourriez voir comme le titre, nous ferons un exercice à propos du corps. So, du corps. Corps, qu'est-ce que ça veut dire? Corps. Body, très bien. So, we're going to do a lesson on the body. I have done this exercise, this lesson in a past video, but what I'm doing now, since this is book two, a little more advanced. I'm going through this through each lesson again. And as always, if you have any questions, please put them in the comment section below. Très bien. Ok. So, répétez après moi, s'il vous plaît. Le corps. So, nous avons le visage. Le visage. The face. Now we're using definite articles here. Le, la, les, elle apostrophe. Because we're talking about specific. The face, the mouth, the hair. Not a face, a mouth. So, nous avons le visage, la bouche, les cheveux, la dent. Now this is one tooth. La dent. Le front. Le front, la langue,
So, comme la langue française, c'est la langue de sa bouche. The tongue of your mouth, if that makes sense. Le nez, ou le nez, ou le nez, it depends on where you are. Nous avons, we have, I'm going to do a trick like this. L'œil, one eye, l'œil, les yeux. L'œil, les yeux. Nous avons l'oreille, l'oreille, ear, les oreilles. Maintenant, nous avons le cas, en tout cas, in any way, so we have le cas, le bras, le cerveau, the brain, le cœur, the heart. So we have corps, which is the body, cœur. So notice the difference in pronunciation. Corps, cœur. Le cou, the neck. Le doigt, the finger. Excusez-moi, mon Dieu, je ne peux pas boire du café ce matin. What is it? Le dos. Le dos. La jambe, the leg. La main, the hand. So we have le doigt, la main, the whole thing. La peau, skin. Le pied, the foot. La poitrine, the chest. La tête, the head, not the front, not the forehead, not the scalp, the head, en tout cas. Le ventre, the stomach. And then now we have some expressions. Now these expressions are used with être and avoir, and then we have one more verb down below, tomber. So, être, can somebody remind me what être means? Être means to be, the infinitive to be. So when you attach certain adjectives to the after être, it means en forme, en bonne santé, fatigué. So, être en forme means to be in shape. Être en bonne santé means to be healthy. And être fatigué means to be tired. So what you do is you say, je suis en forme. Tu es en forme. So, je suis en forme means I am in shape. Je suis en forme. Tu es en forme means you are in shape. So, être en forme. Je suis en forme. Très bien. Tu es en forme. Il est en forme. Très bien. Now you can conjugate it, because I've taught you guys the verb être before. So just conjugate the verb être. If you want to say we are in shape, because we work out, nous sommes en forme. Très bien. Now we have another example. Être en bonne santé. Accent aigu. Santé means health, like healthy. So you would say, je suis en bonne santé. Tu es en bonne santé. Etc. Etc. And lastly, we have this one. Être fatigué. That means to be tired, like me right now. No, I'm not that tired. I'm not really a morning person, and I'm trying to become a morning person. It's hard, but I'm doing it. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Remember, when we put these words, we have to put the accent over the E, but I don't have that capability, unfortunately, with this computer. Il est fatigué, etc. Très bien. Bon, so that's how you say I am tired. You are tired. He is tired. Lastly, we have avoir un rhume. Oh, pardon.
Avoir un rhume. To have a cold. So you would say j'ai un rhume. You could say, if you want to say like de tête, I have a head cold. You know how sometimes people can get head colds versus like a cold in your chest, dans la poitrine. So you say j'ai un rhume de tête. You could say de la tête. You could make a question. Tu as un rhume? Question. Or you could say, est-ce que tu as un rhume? Remember, there's ways to ask questions. Or you could just say, tu as un rhume. Right? There are three ways. You could say, tu as un rhume? Pardon. And then you can invert it. You could say, tu as un rhume? Est-ce que tu as un rhume? Ou as-tu un rhume? Très bien. And then if you want to say like a specific body part hurts, that's avoir mal à X. So for par exemple, j'ai mal à you would say au ventre. I have a stomach ache. Tu un mal au pied. Question. Tu as mal au pied? You have foot ache? Like your foot hurts? Il a mal à. This is where accents come in handy. You need the accent grave over. So let's pick another one. Il a mal à. La main. He has a hand ache. His hand hurts. Très bien. And lastly, if you want to say to get sick, we don't say like I become sick or I am sick. You don't say like I am sick. You could say je suis malade, but it's more to get sick, like the act of to getting sick itself. You say tomber malade. Tomber malade. That means to get sick. But literally, it translates to fall sick. So you'd say, je tombe malade. Yeah. Or you could just say, je tombe malade. You could say something like this. This is using the imparfait. Hier, je tombe malade. Hier, je tombe malade. Aujourd'hui, Loïc, that's a name, tombe malade pendant la classe d'histoire. Par exemple, aujourd'hui, Loïc tombe malade classe d'histoire, pendant la classe d'histoire. So, today, Loïc, got sick today. I don't know how to say it. Like get sick in history during history class. Very nice. Okay. Bon. So this was like a little review that I chose to do with you guys. What we will do next class is we will go into this lecture again, and we will use these vocabulary words that we have studied into here. So if you have any questions, please review this lesson. And I will see you guys next week. And as always, if you ever watch any, this is an important thing. If you watch any videos of any duration or any part of the year, let's say their last year, please put a comment if you have any questions, because I'm able to see the comments even if it's an old video. So please put a comment down below and I will respond, okay? Okay. J'espère que vous passerez une bonne journée aujourd'hui aussi et je vous verrai le mercredi prochain. So I'll see you next Wednesday. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir.